Alors ça filme là? Ouais, Ouais, ça ça y est. filme. Bah, aujourd'hui, je me cache derrière Ambre parce que c'est sa journée à elle. Voilà. Bonjour les Bonjour chéris, quand même. oui quand même. Elle dit même pas bonjour, voilà. Je crois que c'est elle qui est plus excitée que moi d'aller chercher Coquelicot. Parce que ça y est, on va chercher Coquelicot. Donc la voiture est derrière. C'est Chrissa qui va conduire. Allez, on est parti. Ouais, je crois qu'elle est vraiment plus excitée. Moi, en fait, je suis vachement sereine. Je suis contente, donc je suis sereine. Non, elle est excitée comme une puce, elle ne veut pas l'admettre. Bon, elle saute comme une sauterelle depuis 3 jours déjà, alors voilà. C'est même pas vrai. Mais si, mais si, mais À si. tout de suite, mes chéris. Bon, on va voir Ambre qui va recevoir son camping-car. On va faire la réception, purée, ils courent, eux. Courir après. Je suis pressée. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, sans chaussons. Yes. Ça y est, tu filmes? Oui. Wow. Oh, ouais. Ça fait déjà un moment que je filme. Ouais, c'est ça. Mais en fait. Et vous m'avez enlevé l'antenne ou pas? Non. C'est là, donc. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit de monter de tout paravers. Faut la laisser l'antenne. Sinon ça fait. Pourquoi? Pour les trous. Pour l'étanchéité, tout simplement. Bah moi j'ai plus d'antenne. Il est monté comme ça d'origine, donc bon, on l'enlève ou on l'enlève pas? Moi je pose le sac parce que j'en ai 3000. Vous n'enlevez pas le rail d'en bas, ça ne me gêne pas. Par terre. Si vous êtes obligé de laisser le rail en haut, ça ne me gêne non, pas. Non, je le sens. Bon. Mais le rail du bas, il est collé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais plus abîmer que ouais, le oui. haut, c'est pas gênant. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, le. Ah non, je persiste. Non, je persiste, je veux pas garder cette horreur là. Non. Y a pas de souci. Tu veux donner ton avis? Viens, tu veux venir voir? Mais j'ai déjà vu un tout petit peu. Pardon. Yop là. Non, ce rideau là. C'est qu'en fait, il sert à quoi ce rideau? Ben, il sert de porte si tu laisses la porte de séparation ouverte. Voilà. Ouais, mais bon. Voilà, j'en veux pas. Dans la mesure que toi tu es toute seule et ça prend la place, donc en plus il est moche. Ouais, t'as tout compris. Voilà. Non. Ça vire. Ah, il est pas content. Moi. Non, moi, il est pas content. Moi je respecte. Hein. Non, je sais bien qu'il est pas content. La télé, tu peux la mettre directement. Je la mettrai derrière. Ouais, ou non, si on. Ouais. Il y a encore rien. Parce que moi, je me suis rendu compte que tout ce qu'on met sur le lit, ça ne bouge pas. Non, puis moi, j'ai. Ouais. Puis là c'est pareil. Je vais enlever encore, moi, là. Vous voulez que j'enlève le support télé? Ah oui, moi, j'ai tout enlevé. Oui, parce que là, c'est ni fait ni à faire. Hein. Ah oui, en plus, ça prend la place, là. Excusez-moi, mais. Ça prend la place. On n'a pas prendre ça. Ouais, non, mais ça prend la place. Vous savez, je suis comme ça, j'aime bien les choses. Voilà, j'aime bien les choses qui me plaisent, quoi. Ouais. Wow, un truc énorme, ça, en plus. Mais oui, voilà, c'est énorme. Ouais. Ça me bouffe de la hauteur, c'est doux. La place, ouais. En fait, j'ai l'impression que ce camping-car, il a toujours été à moi. Bah, bien évidemment. Là, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Voilà. Je vais chercher un autre embout. Ah, c'est dur de se faire enlever la télévision. J'ai dû négocier avec le monsieur, là, donc Mathieu, avec le vendeur Tanguy, avec le patron, qui me dit, qui me regardait comme une hallucinée parce que je veux enlever la télévision. Ouais. Mais oui, je veux enlever la télé, quoi. Je me souviens l'année dernière quand j'ai réceptionné Foxy, c'était exactement la même chose. Il comprenait pas pourquoi je ne veux pas les télé. Ce gros bazar, en plus ça va me faire du rangement en plus, je vais pouvoir mettre des trucs. Fais des rangements en plus, moi j'ai tous mes aliments là dans le compartiment télé.
dois me prendre pour une folle, Mathieu. Moi, je pense qu'il doit avoir des choses, voir des choses et entendre des choses des fois bien pire que ça. Et est-ce que Lou aime la télé aussi? Tablette. Et plus tablette. Je sais lire, il y a le tatouage Lou. Non mais par contre, ce que je vais faire, je vais tout revendre. Hein. Bah oui, on est d'accord. Hein? Tu sais où est quand? Sans parler, j'ai... Oui, oui. Bon. Bonjour Sam. Bonjour madame. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu. Par contre, Mathieu, tu auras fini à 5 minutes? 5 minutes? Non. Ouais. On vient juste de commencer. Voilà. Le temps que je... Parce que je dois lire. Merci, au revoir. Allez, je parti. Non, parce que je dois lire, moi aussi. Je lis au mot d'or. Et attendez, j'ai pas vu l'électricité que vous m'avez posée. Non, 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 non. J'appuie sur le bouton, c'est bon. J'appuie sur le bouton et ça marche. Voilà. Non, mais tu restes devant. Théoriquement. Tu vas rester dehors, dehors ou... Mais je vais être obligé, qu'est-ce que je te disais. Mais si je me trompe, je vais m'entendre gueuler. Non, mais ça... J'ai l'impression que c'est un peu le bazar aujourd'hui ici, non? Si c'était qu'aujourd'hui. Ah, oh, puis en plus, elle se recharge. Mais... Ah, mais Dieu, je comprends pourquoi elle a pris d'allume-cigare ici. C'est pour la télévision. Ah bon? Quelle télé? Ça, sur un gauche, je passe pas mal quand même. Vous êtes un coquin, mais bon, ça va me faire mal. C'est pas une raison pour vous taper sur la tête, c'est non, vrai. Non, c'est pas un coup de télé sur la tronche. Hein. Donnez, Mathieu. Non, mais c'est pour ça ce que je regarde. Il me manque un morceau. Donc un bout. Les vis, vous n'en avez pas besoin. Non. Les vis. Non. Bon, je les garde. Oui. Allez, c'est vendu. Bon, on enlève le rideau, alors. Oui. Sûr? Certain. Vous allez me donner des confirmations. Sur Sophie. Vous n'allez pas le revoir, hein. Je vous le dis tout de suite. On s'en fiche. Vous voulez vous inviter dans mon camping-car ou quoi? Salut tout le monde, ça y est, je viens de passer 4 heures à écouter le mode d'emploi. Là, ça y est, je suis au volant. J'ai pas pu parler en conduisant parce que vraiment, c'était trop dangereux. Et là, je me suis arrêtée à une station-service parce que tout simplement, y a besoin de gasoil, hein. Y a besoin de remplir la bête. Et puis voilà, un petit peu impressionnée, mais super contente. Surtout soulagée parce que 4 heures à passer à écouter des formations de l'intérieur, de l'extérieur, j'en peux plus. À tout à l'heure. C'est fou. Tout est plus beau vu d'en haut. La chaîne et tout, YouTube, je me voyais pas au volant et je suis tellement... Vous imaginez même pas comment je suis heureuse, c'est... Je suis en train de conduire mon camping-car. C'est dingue. C'est incroyable comme... Ça fait même le temps, il est heureux, il fait beau. Alors que ce matin, il faisait un temps de merde. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai passé 4 heures.
chez le concessionnaire. Oula, ça saute. J'ai pas l'habitude, je dois rouler trop vite, je sais pas. La première grande aventure. Ramener Coquelicot au QG. C'est déjà la grande aventure. Et ce n'est que le tout début. Pardon pour les lunettes de soleil, mais il y a vraiment trop de soleil là. J'arriverai pas à conduire sans elles. Pardon pour les larmes aussi, mais vraiment, j'en pouvais plus de joie. Voilà, c'est là, c'est à 2 km, un truc comme ça. Et les vignes. Au printemps qui démarre. Bon, nous sommes dans la tente d'Ambre. Et Coquelicot, théoriquement, elle devrait arriver, elle devrait pas tarder. Et là voilà. Avec son joli Coquelicot, elle y arrive. Elle nous fait un grand coucou. Oula, il y a du monde là. Ouais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Attention, attention. Voilà. Allez, avance, avance, avance. Voilà, c'est parfait, hop. Et ben voilà, elle est arrivée. Ça y est. Fais-nous un petit coucou.